les causes de l'autisme. Bien que les causes de l'autisme ne soient encore clairement établies, les études actuelles montrent que la génétique et, comme nous l'avons mentionné, l'environnement jouent tous deux un rôle. Parlons de la génétique. L'autisme est si complexe. Quel parent est responsable de l'autisme? Au départ, les chercheurs pensaient que les mères étaient plus susceptibles de transmettre des mutations de gènes favorisant l'autisme. Cela s'explique par le fait que la prévalence de l'autisme est beaucoup plus faible chez les femmes que chez les hommes, et que les femmes présenteraient les mêmes facteurs de risque sans présenter de symptômes de l'autisme. Des études ultérieures ont confirmé que les enfants autistes pouvaient présenter des niveaux plus élevés de vulnérabilité héréditaire en raison de génotypes à risque présents dans le matériel génétique de leur père, mais pas dans celui de leur mère. En conclusion, les chercheurs n'ont pas encore trouvé la cause. Une certaine confusion. Je ne veux pas que vous vous battiez avec votre compagnon pour lui dire « c'est votre faute, que vous avez de mauvais gènes », mais nous pouvons commencer à nous poser des questions. Ces dernières années, nous avons assisté à une recrudescence des cancers, du diabète, de l'asthme, des allergies, de la maladie de Crohn, des maladies chroniques, de la dépression, de l'hyperactivité et surtout de l'autisme. Comment l'expliquer? De nombreux spécialistes et de médecins ont dit unanimement, c'est la génétique. Mais face à cette augmentation indéniable des maladies chroniques dans l'autisme, certains médecins et chercheurs commencent à émettre des réserves. Les maladies dites génétiques ne peuvent pas se multiplier à la vitesse à laquelle elles se propagent actuellement, car il faut plusieurs générations pour que les gènes humains subissent des mutations majeures. Prenons l'exemple des vrais jumeaux, qui ne développent pas les mêmes maladies. Si la génétique était responsable de toutes les affections, en particulier des troubles liés au cerveau, le problème devrait être présent dès la naissance. Je témoigne, et d'autres parents témoignent, que leur enfant avait un développement normal. Et à partir d'un certain âge, vers 18 et 2 ans, ils ont vu une régression soudaine, inexpliquée de leur enfant. Pourquoi? Si on vous dit que votre enfant est autiste et que c'est génétique, qu'on ne vous donne aucun espoir, vous seriez déprimé, tout comme je l'étais avant de faire des découvertes. Extraordinaire en plus. Bien sûr, la génétique joue un rôle, mais ce n'est pas tout selon certains médecins de renommée mondiale, comme les docteurs Michael Milne et Gustavo Turecki, deux chercheurs de l'Institut Douglas de Montréal. Non seulement l'environnement a une influence sur la santé mentale et physique, mais il peut aussi modifier le fonctionnement des gènes dont nous héritons à la naissance. Des facteurs tels que la nourriture que nous mangeons, l'air que nous respirons et les gestes émotionnels que nous recevons pourraient modifier le comportement de nos propres gènes, mais aussi celui des générations futures. C'est ce qu'on appelle épigénétique. Quel espoir! Il s'agit d'une discipline qui étudie comment les gènes peuvent être modifiés en fonction du contexte, c'est-à-dire de l'environnement physique et social, de l'alimentation, du stress, des médicaments et d'autres facteurs. Les mutations génétiques sont irréversibles. En revanche, la marque épigénétique peut être modifiée. Une proportion importante d'enfants, jusqu'à 80%, développe une forme d'autisme dit tardif, qui survient lorsque leur développement a été perturbé en cours de route. C'est la majorité des enfants atteints de TSA. Leur état serait donc en partie génétique et en partie acquis. L'autisme serait donc une maladie évitable.
J'ai tiré une grande partie de ces informations d'un très bon livre de Nathalie Champoux. Je vous conseille vivement d'avoir ce livre qui s'appelle Santé. Ce livre est un must pour les francophones. J'utiliserai beaucoup de données de ce livre dans mes prochaines vidéos et je mettrai le lien dans la description. Nous allons parler de l'intestin, le dysfonctionnement de l'intestin. De nombreuses études montrent maintenant que les troubles gastro-intestinaux sont des caractéristiques de l'autisme. Les parents d'enfants autistes rapportent couramment que leur enfant souffre de douleurs abdominales, de constipation, de diarrhée et de saignements. En 2012, les chercheurs des instituts nationaux de la santé ont étudié des enfants autistes et ont observé que 85% d'entre eux souffraient de constipation et 92% de troubles intestinaux. Cette étude visait à répondre à une question. Les enfants autistes ont-ils réellement des troubles gastro-intestinaux ou s'agit-il d'observations erronées de la part des parents? Selon les conclusions de ce chercheur, ces études valident les inquiétudes des parents concernant le dysfonctionnement intestinal de leur enfant. Une observation aussi importante, une forte corrélation entre la constipation et les difficultés de langage. Le Centre for Disease Control and Prevention, l'agence américaine spécialisée dans la protection de la santé et de la sécurité publique, estime que les enfants autistes ont 3,5 fois plus de risques de diarrhée, de constipation chronique que les autres enfants. Je ne vais pas vous en dire trop parce que ce serait trop long. Nous allons approfondir ce sujet dans d'autres vidéos. Cependant, je vous recommande de lire les livres de Dr. Permuté qui sont très instructifs. Je vous mets les liens ci-dessous. Les enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme ont besoin d'interventions médicales, comportementales et développementales, individualisées et d'un soutien des services sociaux pour atteindre leur plein potentiel. La prise en charge des TSA nécessite la coordination de soins dispensés par des professionnels de la santé mentale, des thérapeutes, des éducateurs et des prestataires de services sociaux et communautaires. En conclusion, il y a de l'espoir, de bonnes nouvelles, une science innovante, d'avant-garde et des institutions les plus réputées dans le monde qui sont en train de découvrir de façon extraordinaire que la santé du cerveau et réciproquement ses maladies sont déterminées par ce qui advient dans l'intestin. Nous, parents, ne perdons pas espoir car il y a des solutions, j'en suis persuadée. Renseignez-vous, prenez des livres, tapez sur Google, faites des recherches parce que ça en vaut la peine. Vous allez rentrer dans un monde que vous ne pouvez soupçonner. Et il y a des choses qui vont se faire pour l'autisme, pour nos enfants. Gardons espoir.